Hey, salut à tous et à toutes, on se retrouve avec Vince, c'est-à-dire moi, sur la Bibli de Vince pour une critique. La critique, c'est laquelle? C'est Alex Ferguson, mon autobiographie. Donc c'est un livre qui a été publié en 2013 en Angleterre, 2014 pour la traduction française. La maison d'édition, c'est Talentsport. Et qu'est-ce que j'en pense? Aïe, 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 aïe. En fait, le bouquin est sympa. Alex Ferguson écrit plutôt bien. Il n'a pas eu besoin d'aide pour écrire. C'est quelqu'un qui adore la littérature, donc il écrit bien. C'est pas une œuvre littéraire. Mais c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce qu'il nous parle des difficultés qu'il a eues quand il était à Glasgow, quand il a commencé en tant que joueur, quand il était jeune, qu'il aidait son père, sa mère dans le bistrot. Qu'ensuite, il a eu un peu de chance qu'il a atterri à United. À United, il avait rien. Il est parti de rien et il a construit une équipe avec une énorme génération. Donc tout ça, c'est assez sympathique. Il y a notamment l'anecdote sur David Beckham, qui est extraordinaire. Le match où il lui balance sa chaussure, un crampon dans la tête, c'est extra. Et il t'explique que David Beckham, c'est un mec qui jamais on pouvait le critiquer. Il pensait tout le temps qu'il était le plus fort du monde. Et c'est un caractère qui, justement, où il explique, c'est génial, mais d'un autre côté... Il y a des fois c'est relou, mais voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Et en même temps, il nous explique la difficulté qu'il a eu à arrêter, tout simplement arrêter le football. Arrêter, pas, enfin quand je dis arrêter le football, c'est arrêter dans le monde du football, arrêter d'être entraîneur. Parce qu'au bout de plus de 20 ans, il avait du mal, mais la vieillesse, etc., à plus de 60 ans, il a compris qu'il était temps d'arrêter et de donner une succession. Et ben on a vu que pendant 2 ans, il a dit que c'était pas ça. Donc voilà, qu'est-ce que... Je pourrais vous dire, il coûte 9,40 le bouquin. Si vous êtes vraiment passionné d'Alex Ferguson, que vous avez regardé tous les reportages, etc., de toute façon, je sais que vous allez l'acheter. Si vous voulez en savoir plus sur Alex Ferguson, clairement, regardez les reportages. Parce que ce bouquin-là, en fait, il vous apprend rien de grandiose. Moi, par exemple, je suis fasciné par l'ère Ferguson à United, et donc, en fait, tout ce qu'il disait là-dedans, bah, je le savais déjà. Et après, oui, il y a certains trucs plutôt drôles. Certaines petites choses... de l'intimité qui nous apprend. Mais après, est-ce que c'est vraiment le livre de l'année sur le football? Pas vraiment. Par exemple, si je devais prendre entre les deux l'autobiographie, enfin non, plutôt la biographie sur Marilyn Monroe, dont j'ai fait une vidéo et il y a un petit onglet qui s'affiche là, et Ferguson, bah franchement, Monroe, c'est 3 fois mieux écrit. C'est un peu le problème, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, vous êtes vite fatigué. En fait, vous en avez un peu marre sur certains chapitres parce que c'est longuet, c'est un peu chiant. Il parle comme si je te parle de toi à moi, quoi, donc on a un peu de mal à accrocher à certains moments, mais le bouquin reste quand même sympathique, voilà. La vidéo est à présent terminée, je vous invite à liker, partager, mettre un commentaire, bah ouais, j'avais oublié, ça va. Me rejoindre sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, à vous abonner, si c'est pas déjà fait, il y a un petit onglet avec ma tête qui se met dessus, il y a juste à cliquer sur l'onglet et vous pouvez vous abonner direct. Je vous dis ciao tout le monde, c'était Vince pour une nouvelle vidéo sur Daily Vince. Bye bye.